Bon, yep, tout le monde, ça se peut que ça risque de prendre du temps parce que je ne suis pas un habitué. Fait que je préfère le dire tout de suite. Face à ça, comme pas mal une date. C'est ça, je m'ai mis mon beau petit chandail. Oh. À part de ça, on va commencer tout de suite parce que, ben, c'est ça, moi je suis slow dans les méninges. Fait que, ouais, je suis pas un habitué de faire des vidéos tout court, enfin, on va essayer de faire de quoi de pas si pire. Fait que ça se peut, ça c'est long. Je peux pas faire autrement. Bon, fait que tout de suite, ça c'est mon compte qui est modé, que je vais dupliquer. Ça, c'est le compte qui est vierge, que j'ai encore jamais lancé GTA dessus. Puis ben, ça c'est mon compte principal. Tout le monde doit savoir. Fait que, pas sûr, je vais lancer GTA avec mon compte qui est modé pour l'instant. Puis là, je vais genre transférer ma sauvegarde du mode histoire à mon compte modé. Ben, attends une minute. Entre parenthèses, c'est je vais transférer ma. Ouais, je suis vraiment pas habitué, mais pas grave. Je vais transférer ma sauvegarde de mon compte qui est modé à mon compte que je viens juste de créer. Bon, une chose de dit. Finis par l'avoir. Fait là, la technique, c'est je vais venir comme là, c'est sa charge, pas le mon histoire. Fait je vais devoir ici ajouter basculer. Je bascule sur le compte qui est vierge. J'éteins juste ma manette. Oui, elle est connectée en Wi-Fi parce que ça ne dérange pas. Ben, Wi-Fi sans fil. J'éteins juste ma manette. J'attends un petit peu, bien sûr. Je la réallume. Et c'est tout. Normalement, le compte qui a rien, qui a jamais été ce GTA, va se faire connecter. Pour la suite, vous allez voir, là. Là, je suis arrivé à mon histoire. Fait que rien pour vérifier. On veut rien d'enjeu. Changement. Regarde, j'ai aucune sauvegarde. Ça veut dire que je suis bien sur le compte que je viens juste de créer qui est ici. It's boss, daddy, whatever. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Mais c'est ça. Ça veut dire que j'ai bien réussi à transférer ma sauvegarde de Party GTA V sur mon compte daddy. Bon, c'est bien appelé comme ça. Fait que là. Je veux venir ici dans mon lit pour sauvegarder la partie. Parce que je ne sais pas comment autrement sauvegarder une session GTA V. En solo, bien sûr. Fait que oui, le lit est très efficace. Enfin, c'est pas ça au préalable. Ben, il faudrait au moins avoir une sauvegarde avec Michael ou whatever qui est proche d'un lit, là, tu sais. Parce que sinon, c'est sûr, ça va plus vite comme ça. Fait un coup, j'ai ma sauvegarde de créer. J'ai mes amis ici pour vous montrer. J'ai ma sauvegarde de créer. Un coup, j'ai ça directement. Je peux directement quitter le jeu GTA. Puis je peux le relancer pour faire le glitch. Ajouter, nanana. Là, je vois. C'est GTA 5. Là, j'ai créé ma sauvegarde. Ah, shit, j'ai oublié un détail très important, me semble. Je vais rien vous montrer quelque chose. C'est là, je lance mon GTA 5 pour. Comment dire? Parce que oui, le plus important, il faut. J'ai oublié de le préciser. Le plus important, c'est ça, il faut. Il faut s'assurer d'avoir une sauvegarde du personnage comme pour modifier l'apparence du personnage. Fait que là, ben, c'est ça fait. Je vais devoir aller en ligne pour la créer. Normalement, à chaque duplication de compte, il faut toujours modifier l'apparence du personnage à chaque fois qu'on transfère le compte. Mais exemple que c'est le lendemain, puis tu l'as jamais fait de la journée, ça se peut que quand tu vas arriver à le faire, ça va fonctionner directement, la première shot, sans même besoin de remodifier l'apparence du personnage. C'est juste, mais tu viens à le faire une deuxième fois,
Ben, ça se peut que là, tu vas vraiment devoir essayer très longtemps parce que vu que tu l'as déjà fait une fois, ben, il propose plus de modifier l'apparence du personnage. Des fois, ça peut fonctionner, mais ça peut prendre du temps. Enfin, c'est pas ça. Là, je vais aller sur une session et sur invitation. Puis là, ben, c'est ça, je suis sur le compte qui est modé en ce moment-là. Fait déjà 5 minutes. Bon, comme là, moi je l'avais déjà fait, puis ben, c'est ça, il me propose directement ça. Ben, moi, dans le fond, je vais faire non. Je sais pas qu'est-ce qui arrive si je fais non. Je vais faire non pour vos voyants là, parce que je pense que je pourrais pas modifier l'apparence du personnage de nouveau. Je vais devoir attendre. On va voir. Ok. Et là, normalement, je peux venir ici. Style. Ici, tu as modifié la presse de personnage directement. Enfin, là, je vais faire ce site, payer 10 000 piastres. Fait un coup arrivé là, vous avez juste besoin à modifier les parents. Bon, veuillez ensemble même avec lequel, mais moi j'aime ça mettre Nico, hein, c'est bien. Lol. Bon, après ça, tu modifies un cap à peu près ici, juste pour dire que tu l'as fait. En mes vêtements, moi je mets tout le temps des paires de lunettes différentes pour y être sûr. Ça, tu fais sauvegarder. Je vais y essayer le bonjour. Là, bon. OK. À un coup, ça c'est fait. Ça va vous amener en ligne automatique. Fait vous allez switcher de tenue jusqu'à temps que vous ayez une sauvegarde. Et oui, j'utilise ma manette en sans fil à ce parce que ça ne dérange plus. Allez, j'ai été raté slow. Bon. Vivre star. Non, mais qu'est-ce que c'est? Tout en slant les chargements. Tada! Il est pas à moi. 2h35. Lol. Bon. Là, je suis arrivé dans une session publique, mais on s'en fout. Je pense toujours. Ah ouais. Bon. Ok. Aster. Fait que là, vous avez besoin de. Ok, ta gueule. Vous avez besoin à modifier les styles. Vous modifiez les tenues. Clac, clac. Moi, je préfère mettre une tenue qui n'a pas de sac de braquage. Ça évite les bugs.
Là, vous attendez. Il n'y a pas eu de sauvegarde. Fait que là, vous refaisez modifier style. Tac. Clac. Ok. Pas encore eu. On modifie style. Clac. Clac. Là, il y a eu une sauvegarde. Fait que là, directement, il y a eu une sauvegarde. Fait que vous pouvez directement relancer le jeu. Tac. On fait quitter. Puis oui, j'ai pas créé de personnage en ligne, ok? Sur le compte que j'ai juste à créer, j'ai pas créé de personnage en ligne. Ça, je m'essaye tout le temps. Normalement, il faut en créer un, mais je m'essaye tout le temps pareil. Fait, vous allez peut-être voir par la suite si ça me le fait. Fait que là, je vais lancer GTA V avec mon compte modé. J'espère que je pourrais rien faire 15 minutes de vidéo, fait déjà 10. Plutôt, fait déjà 11 minutes. Hi. Ça passe vite. Fait que là, moi, je fais tout le temps le bouton RB. Je fais RB. Puis là, directement, je viens ici. Je fais ajouter et basculer. Je bascule sur le daddy. Puis là, normalement, j'attends que les boutons ou le vœu disparaissent. Fait là, il a disparu. Je compte 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. J'éteins ma manette. Puis direct, j'attends 20 secondes. Sauf que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je rallume. Puis oui, à cette heure, c'est chaud ça vite. Bon, quand ça vous refait ça, vous éteignez de nouveau votre manette, puis vous la réallumez. Hey, rallume-toi. Normalement, ça me dit message, vous devez terminer le prologue. Ça se peut, ça vous fait des fouets. C'est à cause que comme j'ai dit, j'ai pas créé de personnage en ligne. Mais normalement, c'est supposé m'envoyer automatiquement en mode en ligne. Je dis bien. Là, ça m'envoie en ligne directement. Ah, ok. Là, ça me dit les services Rasta, whatever, fait, je vais continuer. M'a renvoyé en mode solo. Ok. J'aurais dû faire essayer plutôt. Ok. Je vais le refaire. C'est sûr que j'ai pas créé de personnage en ligne, mais c'est pas si pire. Tac, tac. Moi, vous voyez qu'est-ce qu'elle est gaffe. Whatever, là, t'es. Peut pas toujours réussir du premier coup. J'appuie RB. Ah, c'est vrai, je vais basculer à l'autre compte. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'éteins ma manette. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, je compte vite. C'est parce que ça dérange plus vraiment cette œuvre. Là, j'éteins ma manette de nouveau. Je rallume directement.
Mais là, normalement, ça m'envoie en ligne. Là, directement, ça fonctionnait. Là, je lui ai dit, voulez-vous modifier la présentation du personnage? En fait, oui. Après ça, on vient ici, on modifie les parents. Bon. Tac, on met ça là. Tac, ça, on va rien dire qu'on l'a modifié. On fait vêtements. Moi, je modifie toujours les lunettes. Là, je vais en mettre une paire différente. Je vais sauvegarder. Là, il marque bonjour le S. Moi, j'enlève le S. Je fais Enter. C'est un coco sous. Fait, tac, on prend la petite photo. Ah, c'est vrai. Je viens de tosser ma tête face. Ouais, il est vraiment modé. Tu vois le niveau qui est là. Bon. Yep. Normalement, ça vous renvoie dans une session en ligne. Dans le même garage que j'étais. Avec les mêmes voitures. Sauf que si vous touchez aucune voiture, il faut vraiment pas que vous touchez aucune voiture. Normalement, là, si vous faites un compte qui a déjà joué à GTA V en ligne, vous ne perdez pas vos voitures. Je dis bien si vous faisiez aucune sauvegarde par rapport aux voitures. Si mettons que moi, mettons, j'apparais dans un garage, ben, il faut pas que je sorte avec une voiture de dehors du garage, sinon, c'est capote, ça va faire une sauvegarde de voiture, puis, ben, ça se peut le compte, il perd les voitures. Tandis qu'exemple, si c'est un compte nouveau, comme moi maintenant, c'est un compte nouveau, ben maintenant j'apparais avec les mêmes voitures que j'avais déjà dans mon garage auparavant. Même si j'essaye de faire des sauvegardes par rapport aux voitures, les voitures se transféreraient pas à mon autre compte. Ça, c'est juste une chose dit. Fait là, je suis bien sur le compte Xbox Daddy. Fait que là, je modifie le style. Tac, tac. Ça, je vais remettre la tenue que j'avais au préalable. Si je peux la trouver, bien sûr. Tac. Après ça, on vient à inventaire, munitions. On achète des munitions pour sauvegarder l'argent. Moi, je vais sortir dehors. Tac. Un coup sorti dehors, ben, il faut vous donner les polices pour sauvegarder le niveau. Fait que je vais embarquer dans le choix de PNJ. Ça fait un job. Ah shit, la musique. Après ça, on va mettre une belle petite C4. Allez, viens voir papa. Bon, ok. Fait que là, on a la popo. On va y aller se mettre quelque part par ici pour y escaper. Oh, peut-être c'est chaotique. Ow! Trop trempé ce char-là, ok. Déjà procédé souvent, mais faut croire que ce Benji, ce choix Benji-là est droppé, c'est pas si bon ça. Bon, ok. Moi je vais directement par là, pas se casser la tête. Ta-da-da-da-da-da-da. Ah, tiens, easy. Comme ça, on a la paix des autres joueurs pareil, un petit peu caché à l'accord. Tant qu'ils ne me voient pas de en haut. Bon, là, on peut directement descendre du véhicule.
On fait style, on remodifie le style. Moi, je fais ça pour être sûr que ça sauvegarde, parce que oui, ça vient faire une sauvegarde, mais en même temps, j'ai gaspillé une C4. Fait je reviens à l'inventaire, munitions, tac, je rejette une autre munition. Comme ça, on est sûr que ça sauvegarde, puis on attend un petit peu longtemps aussi sur le compte. Moi, je m'amuse à faire ça. Tac. Bon. Tac, encore une fois, juste pour être sûr. Comme ça, plus que longtemps qu'on est sur le compte, mieux qu'on est sûr que ça sauvegarde. Tac, tac. Rien que temps d'en faire un autre, puis c'est pas mal ça. Bon, ça vient d'en créer un autre. Et directement, moi je quitte GTA 5 en ligne comme il faut, pour y être sûr. Parce que ça dit sauvegarder automatiquement. Fait comme ça, vous êtes sûr, puis c'est ça qui complète la nouvelle méthode que moi je fais. Puis oui, chaque compte que vous faisiez, il faut que vous fassiez sûr que l'apparence du personnage est bien modifiée. Parce que ça se peut, mettons, si vous faites une fois, puis que la deuxième fois, si vous arrivez pour le faire sans un compte, puis vous galérez à le faire, ça voudrait dire qu'il faut vraiment que vous retourniez sur le compte qui est modé, puis remodifiez l'apparence du personnage pour qu'un coup fait, que le glitch refonctionne normalement. J'ai dit bien normalement parce que ça peut varier, là. Mais au moins, c'est comme ça que je le fais à cette heure. Ben, c'est ça qui complète la vidéo. Peace.